Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous est possible. Et je vous propose un temps de respiration pour cette demi-heure. Donc nous pouvons la vivre debout, assis ou allongé. Si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, légèrement sur l'avant des ischions, pour libérer le coccyx et le pubis. Visitons rapidement l'ensemble de notre corps pour détendre et dénouer les tensions. En commençant par le haut, les tensions dans la peau de la tête, les joues, les paupières, les tensions dans les organes sensoriels, dans les yeux, dans les oreilles, dans les narines qui peuvent être pincées, dans la langue, bien sûr les tensions de la mâchoire et du cou, tout cela nous les gommons. Et veillons aussi à gommer les tensions des épaules, les tensions dans tout le dos et installons bien la tête de façon à ce que le dos et la tête soient dans la même ligne. Vérifions que notre posture n'écrase pas le diaphragme et détendons aussi ensuite le bas du corps, jusque sous les pieds. Cherchons à détendre les pieds, l'intérieur des pieds et voyons s'il nous est possible même de détendre le dessous du pied, la plante, les orteils. Reposons-nous. Plaçons tranquillement nos mains l'une en face de l'autre devant le cœur et joignons-les. Utilisons cette posture pour nous unifier consciemment entre la gauche et la droite. Les qualités masculines et féminines. Acceptons-nous dans ce que nous sommes. Et puis, en suivant la flèche des doigts, installons-nous en direction du ciel. Donc vérifions à nouveau la posture de la tête. Il faut que le sommet du crâne soit parallèle au sol, de façon à ce que le sommet de la tête soit en ligne directe avec le ciel. Connectons-nous à l'étoile polaire. À la casserole de la grande ourse. Libérons l'espace du front pour nous connecter au cosmos en face de nous. Saluons le ciel avec un cœur tranquille derrière les mains. Un cœur confiant. Toutes les traditions, et le Tao en particulier, qui nous occupe maintenant, disent que le ciel est rempli d'amour et de lumière, que c'est même la caractéristique essentielle qui le constitue. Donc, détendons-nous. Et puis, laissons descendre notre regard et dirigeons-le vers le cœur, derrière les mains, pour connecter les étoiles au cœur. Et ensuite, laissons, inspirons dans le cœur et descendons notre attention dans le ventre, dans le bas-ventre et les organes sexuels. Et inspirons.
Sentons la connexion entre les étoiles et l'ensemble de notre tronc. Et au prochain expire, descendons jusque dans la terre le long des jambes pour saluer la terre dans sa lumière dorée. Restons quelques instants dans une vision globale, un ressenti global de notre corps, depuis les petits orteils jusqu'au sommet de la tête. Sentons l'arrière et l'avant et sentons l'ensemble de notre corps à l'intérieur d'un autre espace. Détendons-nous pour sentir cet autre espace et nous relier au caractère bienveillant de cet espace. Même si c'est un espace neutre, même si ça n'est pas chez nous, même si c'est un lieu public, s'il y a un banc, le banc est fait pour que nous nous asseyions. S'il y a un arbre, il est là pour notre ombrage et le plaisir de nos yeux. S'il y a un quai de gare, il est là pour que nous puissions prendre le train ou le métro. Orientons notre cœur et notre pensée vers les qualités des lieux vers lesquels nous nous dirigeons ou dans lesquels nous sommes. Et ensuite, si on trouve qu'esthétiquement, c'est pas ce qui nous plaît, alors une très vieille technique raconte qu'il suffit de l'inventer et de décorer la pièce avec ce décor. Et un jour, ben, ça vient, dit-on. Pour l'instant, profitons simplement de notre espace dans l'espace. Et sentons que cet espace même de notre chambre, de notre endroit où nous sommes, peut être encore agrandi dans notre conscience. Nous pouvons sentir jusqu'aux étoiles. Il suffit de se détendre et de se relaxer complètement. Dans cette relaxation, alors nous pouvons nous connecter avec les grands êtres et accueillir leur aide. Nous pouvons aussi, alors, j'ai oublié de les nommer, les huit immortels, Yi-Yang, Maître Chia et d'autres. Nous pouvons aussi nous connecter avec nos ancêtres, avec ceux qui ne sont pas encore arrivés, qui viendront après nous. Avec tous nos âges. Ensuite, retournons notre attention vers nous-mêmes. Sentons-nous aussi entourés par l'ensemble de ces salutations que nous avons données et élargissons ces salutations à tous ceux qui pratiquent pour entrer vraiment dans un flux. Dans un flux qui soit porteur. Puis on va laisser descendre les mains tranquillement, on va les poser sur le ventre ou l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre.
J'aime bien l'une contre l'autre avec les avant-bras qui tiennent le ventre ou qui le touchent. Et pendant un instant, regardons simplement notre souffle. Et prêtons attention au sommet de la tête, à la plante des pieds et au périnée. Plaçons la pointe de la langue sans la presser musculairement contre le palais. Regardons vers le haut du ciel et voyons si lorsque nous inspirons, nous ne pouvons pas rapprocher le ciel et le périnée. Donc cette inspiration, elle peut même être extrêmement fine. Nous pouvons même le faire en apnée. Si nous cherchons à rapprocher le haut et le bas en apnée par l'aspiration du périnée et du sommet de la tête, veillons à ce qu'ils soient dans la même ligne. Et ensuite, cherchons ce qui nous convient le mieux. Ce qui nous convient le mieux, ça peut être une petite inspiration avec la gorge très légèrement serrée, que le yoga appelle en ujjayi, je crois. Ça peut être en apnée inspire ou en apnée expire. Ça peut être aussi une respiration tout à fait normale, dans laquelle nous sommes si détendus que nous laissons les rayons du ciel et de la terre pénétrer à l'intérieur de nous, nous nourrir et se rencontrer. Ce que nous préférons comme méthode. Puis vérifions l'état de relaxation de nos trois foyers. Relaxation du cerveau. Encore davantage que ce que nous avons fait. Imaginons même que nous avons un gros casque et de ce fait, nous pouvons détendre les os de notre tête qui sont en sécurité. Et ça va permettre à nos hémisphères cérébraux qui stockent beaucoup de stress de se détendre aussi. Sourions dedans. Sourions vraiment en étirant légèrement les coins de la bouche. Et avec un sourire qui soit rempli de sens, c'est-à-dire que c'est un sourire qui nous dit à nous-mêmes que nous nous apprécions, que nous nous aimons. Ensuite, revenons au cœur et faisons la même chose une nouvelle fois. Le cœur physique et le tantien, le foyer médian qui est juste à côté du cœur, à 3,5 cm à peu près au-dessus du V du sternum. Ensuite, regardons si nous pouvons descendre notre attention jusque derrière le nombril.
Et détendons le ventre, respirons tranquillement par le ventre en fixant nos yeux et la sagesse de notre esprit, l'amour de notre cœur, jusque dans le ventre. Le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Et commençons à respirer d'une façon plus consciente. Et on va commencer par un exercice qui apaise et qui vide un peu l'esprit. Donc nous allons inspirer en deux temps et ensuite, tout de suite, on va expirer en six temps. On ne prend pas de temps de pause. Ce qui va nous intéresser, c'est d'inspirer du nouveau, d'inspirer de l'air, du chi, de la lumière, et en inspirant, d'aspirer, comme nous l'avons fait, l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Donc l'énergie du ciel et l'énergie de la terre, on leur demande de se rapprocher et d'entrer à l'intérieur de nous. Et le périnée se remonte et se serre un petit peu pour aspirer l'énergie de la terre. Et nous sentons aussi une attraction de la langue contre la pointe de la langue contre le palais. Et nous appelons le ciel. Et nous pouvons décider que le point de rencontre, ça sera le Tantien, le lieu de la stabilité corporelle et émotionnelle. Alors, on y va. Je ne vais pas compter parce que je pense que c'est mieux que chacun d'entre nous nous comptions. Deux temps, six temps. On peut faire 3, 9 ou 1, 3. À nous décider le rythme et non seulement le rythme, mais le temps, la durée de notre comptage, non seulement le nombre des comptages, mais aussi la vitesse à laquelle on compte. Donc, je vous propose quelques minutes de cette respiration en veillant simplement à ce que ce soit pas seulement une respiration physique, mais que ce soit comme un appel énergétique. Et que chaque fois que nous inspirons et que l'air et l'énergie arrivent dans le ventre, nous nous sentions vraiment aimés, nourris, et que chaque fois que nous expirons, tout se fait par le nez, que nous expirons, nous restions la tension dans le ventre. Ça décuple les effets de la respiration. Et si nous n'y arrivons pas, ben on a quand même les effets de la respiration. Alors à tout de suite, on commence, si vous ne l'avez pas déjà fait. Guidez le souffle et l'énergie par les yeux. Regardez en haut pour appeler l'énergie et descendez les yeux pour aller dans le ventre. Aspirons l'air avec le sourire. Nous pouvons faire spiraler l'énergie dans le ventre si nous arrivons
à la sentir. Et rendons-nous compte que ce que nous sentons, c'est du chi, c'est du condensé, du transformé de la puissance de l'univers complet, rempli d'amour et de lumière, et que c'est vraiment une forme d'amitié que nous accueillons. Et cette amitié se transforme en force à l'intérieur de nous. C'est déjà une force, mais elle se transforme en force adaptée à nous. Veillons à ce que notre sternum descende, les clavicules aussi, les côtes se ferment comme un petit parapluie. On ne fait pas de violence musculaire ou volontaire, mais on accompagne par l'intention. Chaque inspire du nouveau, du plaisir, de la confiance, de l'amour. Chaque expire du centrage. Et on laisse partir tout ce qui nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes et la plus joyeuse. Toutes nos négativités, nos peurs, et etc., etc. Je ne vais pas détailler. Encore une respiration. Et puis nous sommes mûrs maintenant pour calmer encore davantage notre corps et le reposer davantage. Et pour cela, nous ferons une pause à la fin de l'expire. Donc nos yeux iront descendre jusque à la fin de l'expire, jusque dans le périnée, et nous serrerons un peu le périnée. Et peut-être que nous aurons envie de le remonter un petit peu. J'entends par périnée l'anus, le point à l'avant de l'anus qui est légèrement bombé, et puis la porte sexuelle. Vérifions avant de reprendre le souffle la posture de notre tête. Et donc là, nous allons faire un temps de respiration, deux temps de expiration et deux temps de maintien. Mais ça, c'est très court. Donc on peut aller beaucoup plus lentement. On peut faire trois temps pour l'inspiration, six temps de maintien apnée, pardon, six temps d'expiration et six temps de maintien apnée expire. Voilà, et si vous êtes très très fort, vous pouvez encore augmenter les nombres. Allez, on démarre. Je redis, 3, 6 et 6 d'apnée expire. Avec les yeux fixés en dessous au niveau du périnée. Et sentons la présence de notre ancrage à la terre. Et en même temps qu'on a nos yeux dans le périnée, rappelons-nous le ciel. Et ensuite, lorsque nous allons inspirer, alors le ciel et la terre vont à nouveau se rencontrer. Et se diriger l'un vers l'autre.
Lorsque nous reprenons notre souffle après les 6 temps d'apnée, expire. Et évitons, bien sûr, on va le reprendre en 3 temps, mais évitons de le reprendre d'une façon trop puissante, un peu inquiète. Respirons tranquillement et continuons à nous placer dans le ventre. Continuons de garder la conscience que notre inspire est une aspire. L'inspiration est une aspiration. Nous nous gorgeons de chi. Et à l'expire, nous renvoyons le gaz carbonique, mais nous gardons le chi. Et d'inspire en inspire, nous sommes de plus en plus régénérés. Encore une respiration complète. Et puis ensuite, cessons tout exercice. Reposons-nous dans la conscience d'être aimés, entourés par l'univers, d'être en harmonie avec la puissance du ciel et de la terre, et avec toute la puissance qui se dégage aussi du cosmos. Des arbres, des rivières, des 8 forces, disent les Chinois, des lacs, du tonnerre, du vent, du feu, de l'eau, je l'ai dit l'eau déjà, je crois, des montagnes. Restons tranquilles dans tout cet univers très large, harmonieux. Sentons notre front léger. Le périnée reste un peu tonique. Visitons notre posture une nouvelle fois. Et puis installons-nous simplement dans la position du yin, du rien. Et s'il se passe quelque chose, eh bien c'est bien. S'il ne se passe rien, c'est très bien aussi. Nous sommes simplement en train d'observer ce qui se passe, nous n'intervenons pas.
Et nous pouvons rester ainsi tout le temps qui nous conviendra après la fin de cette méditation. La fin de cet enregistrement plutôt. Je vous souhaite alors une très bonne méditation. Et puis bonne journée ou bonne nuit, bonne soirée. À bientôt peut-être.